أهلا بكم من جديد. إذا اليوم سوف ننجز تمارين الصفحة 49 mes apprentissages en français المستوى السادس la pronominalisation. Donc je m'entraîne. سؤال رقم واحد. Dans chaque phrase, remplace les mots soulignés par le pronom qui convient. Donc, في كل جملة غادي نرمبلاسيو هاد لي مو اللي مسطرين عليهم ب لو برونون كي كونفيان. هنا عندنا لوغ ديليغي او زيليف ليكزامان دو فان داني ما سوغ. دونك نبداو بلا بروميير فراز. لي زيليف ont les élèves donc radingolo l'ont écouté donc leur délégué radin remplacera elle les élèves l'ont écouté point deuxième phrase. Le directeur parle aux élèves. Donc le directeur. Le directeur. Aux élèves, radin remplacera par leur. Adnaf pluriel. Leur. Le directeur. Leur. Avec S. Parle. La phrase C. La phrase C, il parle de l'examen. Donc la phrase C, il parle de l'examen de fin d'année. Donc, il va dire le pronom en on. Il en parle. Il en parle. La phrase D. Ma mère achète à ma soeur la poupée qu'il voulait. Donc, maman, machin, ma mère, maman. Donc, maman. Ma soeur va me remplacer Rob Louis. Maman, Louis. Achète la poupée qu'il voulait. Achète. Maman lui achète la poupée qu'il voulait. Délégué leur délégué, d'un élève prenant elle, le, aux élèves, d'un élève leur, l'examen de fin d'année en ma sœur Louis. Monsieur le deuxième exercice. Donc, souligne le complément d'objet indirect dans chacune des phrases suivantes, puis remplace-le par un pronom et réécris la phrase. Donc, on va dire le complément d'objet indirect. On va remplacer le complément d'objet indirect par un pronom. On va dire que le jumla. Donc, nibdaw. Les enfants parlent à leur grand-mère. Donc, complément d'objet indirect, wa à leur grand-mère. Et d'un star rendero, à leur grand-mère. Donc, pour savoir le complément d'objet indirect, on va poser la question à qui? Les enfants parlent à qui? Donc, la réponse, les enfants parlent à leur grand-mère.
Donc, grand-mère, il va dire le prénom. Donc, un chrangolo, les enfants. Donc, les enfants. Grand-mère a été remplacée par Louis. Les enfants, Louis parle. Les enfants, Louis parle. La phrase P. Le délégué dit aux élèves d'arriver à l'heure. Donc, le délégué dit aux élèves d'arriver à l'heure. Donc, on a le délégué dit à qui? Pose la question à qui? Aux élèves. Le complément d'objet indirect, c'est aux élèves. Aux élèves, il est remplacé par un pronom. Donc, le délégué aux élèves va être remplacé par leur. Le délégué, leur dit d'arriver, leur dit d'arriver à l'heure. Sur la phrase C, Karim s'adresse à son ami. Donc, Karim s'adresse à qui? Donc, Karim s'adresse à son ami. Donc, le complément d'objet indirect, c'est à son ami. Karim, son ami, il a remplacé le pronom. Karim s'adresse Karim s'adresse à son ami, et de remplacer par Louis. Karim s'adresse à Louis. Regarde ces photos, il appartient à des amis africains. Donc, regarde ces photos, elle appartient à qui? Il appartient à des amis africains. Donc, le complément d'objet indirect, c'est à des amis africains. Regarde ces photos. Regarde ces photos. Virgule, il, avec S, il, leur, ils leur appartiennent. La phrase E. Le docteur prescrit ses médicaments à ses petits. Donc le docteur à ses patients. À ses patients. Donc le docteur prescrit ses médicaments. On pose la question à qui? À ses clients. Donc, à qui? À ses clients. Donc, le complément d'objet indirect, à ses patients. À ses patients. Le docteur prescrit
Ces médicaments le docteur leur prescrit ces médicaments. Leur est le pluriel de lui. Le docteur leur prescrit ces médicaments avec S. Complément d'objet indirect. إذن كونوا هنا سالينا التمرين رقم 2، نمشيو للجو مي فالي. Je m'évalue, donc réécris les phrases en remplaçant le complet d'objet direct par un pronom. Et donc, on va remplacer le complément d'objet direct, on va le remplacer par un pronom. Donc, on va commencer la phrase 1. L'école joue. La phrase A, l'école joue parfaitement son rôle. Donc, le complément d'objet direct, on pose la question quoi? Ou là, qui? Donc, l'école joue parfaitement quoi? Donc, c'est son rôle. L'école joue parfaitement son rôle. Donc, l'école, le complément d'objet direct, le rôle, le, l'école, le joue parfaitement. L'école, le joue parfaitement. La phrase D, B. Le délégué montre l'exemple par une attitude positive. Donc, le délégué montre quoi? Donc, le délégué montre l'exemple. Donc, le complément d'objet direct, soit l'exemple. Le délégué le délégué le montre l'exemple radin remplacé par le pronom le montre parfaitement. La phrase c'est tous les élèves disent la vérité. Tous les élèves, donc la question, tous les élèves disent quoi? Tous les élèves disent la vérité. Donc la vérité, il y a complément d'objet. Complément d'objet direct. Donc tous les élèves tous les élèves tous les élèves la la disent tous les élèves la disent la, tous les élèves disent la vérité. Monsieur la deuxième question. Recopie les phrases en remplaçant le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect par un pronom. Donc, regardez, monsieur, le complément d'objet indirect sera remplacé par un pronom.
Il faut montrer l'exemple à ton ami. Donc, il faut le montrer l'exemple à qui? Donc, le complément d'objet indirect, c'est à ton ami. Donc, il faut autonomie il faut lui montrer l'exemple. Il faut lui montrer l'exemple. Sur la phrase B, le chef de l'association transmet un message à tous les membres. Donc, le chef de l'association transmet quoi? Donc, il transmet. Transmet quoi? Transmet un message complément d'objet direct, sur un complément d'objet indirect. À qui? À tous les membres. À tous les membres. Donc, Rangolo, le chef de l'association les membres pluriels, donc le chef de l'association leur sans S transmet un message. Leur transmet un message. Le chef de l'association leur transmet un message. Shukran ala mushahadatikum. Baqi ddurus satajidunaha fi al-rabit asfala al-video.